take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de hack fait maison qui va vous permettre donc de pouvoir hacker le Social Club. Malheureusement ça ne fonctionne que sur les old gen, donc PS3, Xbox 360, sur la One et la PS4 ça ne fonctionne pas, c'est un peu différent. Donc il suffira après avoir lancé le logiciel de choisir votre plateforme, de mettre votre pseudo Social Club, je dis bien pseudo Social Club et pas celui du PSN ou du Xbox Live, si c'est le même, c'est le même, mais c'est souvent un nom différent, donc faites bien attention, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il vous faudra mettre votre mot de passe du Social Club, bien sûr, sinon ça ne fonctionne pas non plus, et choisir l'argent que vous désirez mettre. Bien sûr, essayez de ne pas mettre énormément d'argent si vous voulez éviter d'avoir trop de problèmes. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien mettre le bon mot de passe, bien sûr, et vous allez le cliquer sur hacker, attendre que le travail se fasse tout seul, et une fois que la barre donc aura fini de charger, donc ça veut dire que le travail sera fini, vous allez avoir un petit message qui va vous dire que le compte Social Club a bien été hacké, et de rafraîchir votre page internet pour constater l'argent supplémentaire qui a été ajouté. Donc il faudra vous déconnecter de votre PS3 et la relancer ou Xbox 360 pour pouvoir constater que vous avez de l'argent. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 1 3 377 $. C'est que des grosses conneries. C'est un logiciel fake. Je vous mettrai pas le lien dans la description. C'était juste une vidéo pour vous montrer, et j'espère que vous êtes un peu tombé dans le panneau, pour vous montrer que c'est très facile d'arnaquer des gens sur internet avec un petit logiciel qui paraît pouvoir se faire, enfin qui peut peut-être inspirer confiance ou autre ou n'importe, mais faut vraiment faire très attention. Il y a, et ça existe, des petits logiciels pour ajouter de l'argent parce que les hackers le font, mais il faut avoir une console jailbreak, et si vous n'avez pas une console jailbreak, ce genre de logiciel ne peut pas fonctionner. Déjà, ça n'interagit pas avec le Social Club, ça interagit avec la console en direct. Donc vraiment, il faut vraiment faire très attention, car c'est le genre de personnes qui mettent ce genre de logiciel, il y en a énormément, et la plupart du temps, c'est pour une ou deux choses, soit récupérer votre adresse mail pour vous spammer de pub, soit, si vraiment il est mal intentionné, c'est récupérer votre adresse mail plus votre mot de passe Social Club pour le hacker, ou tout simplement pour vous envoyer vers un site de pub ou de trucs comme ça qui va lui rapporter de l'argent à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur son lien. Donc je tenais à vous mettre en garde par rapport à ce genre de logiciel. Donc je remercie Puxul qui m'a fait ce petit logiciel pour vous présenter ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites très attention à vous.